Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va commencer comme d'habitude par la météo, si je le trouve. Waouh, 31 degrés. Il fait 31 degrés. Pardon, je vais descendre. Donc là, on va aller mettre de l'essence parce que la balade d'hier m'a bien siphonné. Deux réservoirs, voilà, je vais mettre le troisième plein. Donc on a tellement roulé que là je me retrouve à aller mettre de l'essence pour la troisième fois en deux jours. Mais bon, ça n'a pas de prix ce qu'on a fait hier. C'était vraiment magnifique. On a fait des super belles routes. On était une très très bonne équipe. On avait de la chance d'avoir un motard qui avait un très bel appareil photo. Donc il nous a pris des photos de très bonne qualité. Je sais pas si je peux dire photographe. Je pense pas qu'il soit photographe, mais en tout cas il avait un appareil de très très bonne qualité. Donc là il nous a envoyé des photos, je vais en poster petit à petit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir Instagram, donc c'est Carlotta Biker. Et comme vous l'avez vu en début de vidéo, maintenant j'ai fait aussi une page Facebook, pareil Carlotta Biker. Les trois ont le même nom entre Snapchat, Instagram et Facebook. Comme ça vous avez vraiment tous mes réseaux sociaux. C'est vrai que je suis le plus présent sur Instagram et sur Snapchat. Après Facebook, c'est vrai que ça a un petit peu diminué, c'est moins influent qu'avant, mais de toutes les manières, tout ce que je posterai sur Instagram, ça ira directement sur Facebook, parce que j'ai quelques abonnés qui m'ont dit j'ai pas Instagram ou j'ai pas Snap, mais ils ont Facebook. Donc c'est pour vous que j'ai fait ce Facebook, et comme Instagram et Facebook sont liés, je pourrai poster les deux en même temps. Ça sera pratique. Alors, direction la pompe à essence. C'est pas la peine de courir, c'est vert, madame. Détente. Détente. Allez. Le troisième plein. Non. Ah, ça peut pas être fermé. T'as vu l'heure qu'il est? Vu que je suis là, on va rentrer par curiosité. Ça marche quand même. Ça ne marche pas. Et là, il n'y a personne. Ok, je vais tomber en panne. Je vais voir s'il y en a une autre. Je crois qu'il y en a une autre juste à côté d'ici. Parce que là, je vous explique, il me reste une seule barre et elle clignote. Quand ça clignote, c'est vraiment qu'elle a soif. Plus que je tombe en panne, ça serait. Allez, dis-moi que celle-là elle est ouverte. Ouais, super, super. Parce que là, on aurait poussé. Enfin, j'aurais poussé parce que vous n'êtes pas là physiquement. Mais donc là, on va pouvoir mettre de l'essence. Non, voilà, je vais faire une grosse connerie. Ok, alors si à 11 euros ça claque déjà, j'arriverai jamais à 20. Ah, il est quand même à 1,7 hein, le litre. Et là, ça a clignoté avant que je mette de l'essence, c'est-à-dire qu'il était vraiment vide, vide, vide. Non, je pense qu'on va pouvoir faire les 20. Hein. Ouais, large. Donc oui, je mets 20 euros d'essence dans la moto. Allez, plus que 20 centimes. Et on est à 20 euros. J'ai super bien estimé mon réservoir. Top. Si déjà à partir de là c'est pas bouché, c'est déjà un bon début. Mais je sais que au deuxième radar,
ça va me stopper net. Ouais, bah, de toute façon, déjà, on commence à voir les feux de stop allumés. Ouais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Le panneau du radar. Et c'est stop net. Classique. Ça ne change pas. J'aimerais bien un jour vous filmer quand ça roule tout le long. Mais c'est pas moi qui fais la circulation. Merci monsieur. Allez, prudence activée. Regardez celui-là. Regardez celui-là. Il ne veut pas se serrer. Allez, vas-y, si tu veux changer, c'est le moment. Un Belge, désolé les Belges, mais vous n'êtes pas des lumières. Ils sont en train d'utiliser leur GPS là, en même temps qu'ils sont au milieu de la voie. Ça c'est quoi, P, Pologne? Oui, il s'est poussé au dernier moment. Il faut anticiper, rouler directement collé. On va se lire toutes les plaques. Nous avons beaucoup de monde. Si je lis une des plaques dont vous habitez, mettez-le moi en commentaire. Par exemple, je sais qu'on m'a déjà écrit on te suit dans le 33. Donc là c'était un de vos voisins que je viens de trouver. 85, 59, 60, Loise. Il y en a quelques-uns que je connais. Encore 59. Partez tous ensemble en vacances, c'est 59. La Belgique. La Belgique. 9, 2, 6, 6. Ah, 75, ça fait plaisir. Un peu de chez nous. 9, 1, 75, 7, 7, 7, 6, 50. Pour l'instant, on n'a que des plaques différentes. 60, 60, 75, 44, je connais pas. 9, 4. Val-de-Marne, la Belgique, oui les Belges, vous êtes présents. Le 29, je crois que c'est la Bretagne le 29. Après ça se trouve que je me trompe, on va se moquer de moi, mais c'est pas grave. NL, j'ai un doute, je veux pas le dire parce que je sais que je vais me planter. Et encore des Belges. Ah, les Belges, vous êtes tous venus en France pour les vacances. C'est ça nous occupe sur le chemin. Toi, t'es au téléphone. Il était très très bien au téléphone ce camion. Je sais pas si on verra dans son rétroviseur. Moi, je l'ai vu dans le rétro qui était au téléphone. Je sais pas si on verra sur la caméra. 72. Ah, Martinique. On a eu la Martinique. Oui, les Martiniquais. Je sais que vous êtes là. La Suisse. Allez, les Suisses. Et on sort d'ici. Voilà, ça passe vite quand on s'occupe. Comment tu vas? Ouais. C'est un abonné. Ok, donc rendez-vous chez Apple Store terminé. Là, j'ai un pote que vous avez déjà vu qui doit me rejoindre. Il va venir avec moi chez Daffy parce que il va m'aider à choisir mon pantalon avec les sliders. Et aussi, on va acheter du... Putain, je sais même plus comment ça s'appelle. Il me l'a dit il y a 2 minutes. Putain, c'est quoi le nom? Bref, c'est une crème ou une pommade, ou je sais pas comment c'est, pour nettoyer les tuyaux d'échappement, parce que là ils sont devenus un petit peu marron, pas rouillé mais genre couleur rouillée, et c'est très très moche. Et apparemment avec une crème en passant dessus, ça les rend tout brillant et beaucoup plus joli. Alors je l'attends, normalement il devrait arriver dans 2 minutes. Vous allez attendre avec moi pendant 2 minutes.
Six and a half hours later. A few inches later. Day two. Day three. Day four. A few moments later. Bon, là ça y est, on a fini chez Daffy Moto. Donc bon, ils ont pas ici de pantalon avec les sliders, donc je le commanderai sur internet et je le ferai livrer ici. Combien de temps ils te disent ? 20 km. Bon, ça va, c'est pas trop loin. Par contre, j'ai pris un bloc disque Bluetooth, c'est-à-dire qu'il t'envoie une alerte quand ça bouge, quand il n'y a plus de batterie, tout ça. On verra si c'est bien, parce que j'ai besoin de ça pour les vacances. Comme chez moi, elle est toujours garée en parking, et là, quand je serai en vacances, elle sera garée dans la rue. Je vais prendre un peu plus de précautions. Et voilà, voilà. Bon, allez, à dimanche. Vas-y, à dimanche. Ciao, frérot. Tac. Les amis, voilà, fin de journée pour moi. On rentre à la maison, il est 7h30. À quoi ça va ressembler le retour? Et voilà, ça fait pas 10 secondes et c'est déjà la merde. On attend là. Il est écrasé, putain. Bah, tu grilles le feu. Ah, ok, elle a failli être écrasée, mais grille pas le feu. Attends. En plus, je t'arrête là-bas. Non, mais c'est pas possible. Hein. En plus, il a un tout petit casque mignon avec des petites lunettes, il est mignon. Ah là là. Ah, c'est dur les vélos sur Paris. Vraiment, je vous plains. Les amis, retour de boulot plutôt calme. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. On a juste eu cette petite embrouille de cyclistes. Automobiliste, mais ou sinon très très calme. Je vous souhaite une bonne soirée. Lui, il savait que je filmais, il a fait exprès. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao. I'm sad.